Oh putain que c'est vieux ça. Et c'est tout le monde, c'est Suic64 et aujourd'hui on se retrouve sur Splatoon 3 bien évidemment. Ok, pause, alors à l'heure où sort cette vidéo, le nouveau DLC de Splatoon 3 a été annoncé avec une nouvelle campagne solo et surtout le retour de Chromapolis, donc je vous avoue que j'avais pas prévu ça. Mais du coup je me sens un peu devin parce que j'avais vraiment joué la veille et du coup ça me fait rire. Bien évidemment c'est Day One sur la chaîne, vous inquiétez pas. Et demain vous aurez aussi une vidéo bonus avec les secrets présents dans le trailer. Donc abonnez-vous et à demain. Et donc aujourd'hui, oui, on va rejouer à ce jeu mythique. Alors il me semble que j'ai jamais fait vraiment de vidéo sur la chaîne, alors que pourtant j'y jouais vraiment beaucoup. Mais du coup, j'ai envie de faire une petite vidéo là, donc bah let's go, hein, let's go. En fait, la vraie raison de pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu, c'est parce que bah je tryhard Palladium et du coup j'avais pas trop le temps de faire une vidéo plus travaillée que ça. Donc je me suis dit que bon, je vais aller sur Splatoon 1, comme ça ça fera un peu plaisir aux abonnés, parce que ça fait longtemps, vraiment longtemps que j'y étais pas allé. Et surtout, j'avais jamais fait de vidéo dessus, hein, alors que c'est genre un incontournable. Bah voilà, la vidéo s'appellera certainement Splatoon 1 en 2023, quoi. Je sais pas encore. J'essaie d'être original. Oh purée, je viens de déterrer une relique. Regardez ce qu'il y a écrit là, MDR. Ça, c'est gros chat, hein, pour ceux qui le savent pas. Donc nous, on va partir au match classique. J'espère qu'il y aura des gens dans le matchmaking. Parce que bah maintenant qu'il y a Splatoon 3 en plus, il y a encore moins de monde, j'ai l'impression. Ok. Bon bah voilà, des japonais. Histoire qu'on puisse faire au moins 3 parties, ça va être une petite vidéo de 8 minutes, je pense. Oh putain, ce jeu, qu'est-ce que je l'avais tryhard à l'époque, n'empêche. Alors c'est mon vrai compte, hein, c'est le compte que j'avais quand je jouais à Splatoon. Mais bon, Jérémy, il sait très bien qu'avec la scène du début et les 60 FPS, il sait très bien sur quelle plateforme je suis actuellement. Oh putain, la musique. Oh les gars, je suis premier degré ému, là. Oh non, il y a des carbones. Oh, il y a le concentrateur W. Oh, waouh, waouh, oh, ça lag. Bon alors, attendez. Comment on joue à ce jeu déjà? Il n'y a pas les tirs chargés donc lui il va galérer. J'essaie de faire un kill hein, mais ça va être compliqué vu que c'est des japonais. Ah! Oh il y a le missile tornade, c'est vrai! Oh! Ah, mais moi attendez, mais moi j'ai aussi un spécial. Donc du coup si j'arrive à le foutre. What? Ah ok, ok, ça c'est sonar, c'est sonar. J'avais oublié que ce truc existait. Pourquoi mon jeu lag? Gros, je comprends pas. Je suis sur ma Wii U pourtant. Et dès que je tire, j'ai des lags, j'ai l'impression. J'aimerais bien charger un spécial au moins pour pouvoir vous montrer quoi. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Et surtout que ma Wii U avait le joystick pété. Donc du coup, j'utilisais plus mes spéciaux. J'essaie de faire une brique à la marre, oui. Ah, mais la musique, putain. Je me souviens plus du nom du groupe, mais c'est vraiment une bonne musique ça. Ok, un kill. Merde. Je crois qu'on est en train un peu de les baiser là. Oh, le No War Never. Oh mon dieu, mais quelle belle musique. Oh merde, what? C'est quoi son arme? D'où un liquidateur, ça touche shot. Pas grave, ne pas se laisser aller. C'est pas parce qu'ils ont repris qu'on va perdre. Il va aller bien se faire foutre. Putain, quoi? Vas-y, c'est chaud Splatoon en fait. What? Oh lui, il lag. Ah mais non, mais on a perdu. Oh mais c'est pas cool ça. Oh, j'ai le seum, mais j'ai même pas utilisé un spécial de la game. Oh la musique de défaite gros. Oh les animations. Ah les animations de défaite aussi, ça c'est... Waouh. Oh ils étaient décapités. Oh là là, les menus, ils bug. Non mais attendez, parce que je vais changer d'arme, mais c'est chiant parce qu'il faut quitter dans le jeu pour changer d'arme. Ouais mais non, mais il y a le sonar, j'ai pas envie de jouer. D'accord, Splat 420, pourquoi il y a écrit Splat 420? C'est ma Wii U qui déconne ou... J'ai envie de jouer le nettoyeur du haut, c'est une vieillerie ce truc. What? Quoi? 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 Pardon? Pardon? Quoi? Il s'est passé quoi là? Attends, ça a lancé la game à 5? What? Oh, c'est une game buggée! Oh! Waouh! Waouh! On est couleur semence masculine! OMG! Oh, c'est trop bien! On est dans le tuto! Mais lol! Mais MDR! Mais c'est un hacker! Mais c'est trop bien! Waouh, il y a des ballons! Mais c'est trop bien! Jérémy! Regarde, il y a des gens sympas comme toi. Oh, c'est abusé. Et genre, vraiment, tu peux tomber là-dessus en online, quoi. Oh là là, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien d'entendre ça. Eh, mais gros, mais j'ai jamais vu ça. Genre, c'est possible, ça, en fait. Wouah. Ah ouais, chaud. Putain, le online de Nintendo, ça a dû être de la merde au début. Oh. Gros, je m'attendais... Par contre, les gars, vraiment, faut savoir que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait ça. Élimination infligée par un adversaire. D'accord. J'ai jamais vu ce message de mort avant. Ça me rappelle un peu Splatcraft. On avait fait un truc comme ça où on pouvait se battre sur cette arène. Qui était en vrai assez cool. Hein. Bon, c'est un peu l'arène où tu découvres le jeu quoi. Mais par contre, on voit que c'est la map du mode histoire. Hein. Est-ce qu'il y a le propulseur? Oh, il y a le propulseur. Oh, il y a le propulseur.
C'est trop bien. Oh, c'est magnifique. J'ai fait une game normale. Une seule. Je suis tombé sur un hacker. Si ça, c'est pas beau. Merde, c'est vrai, il n'y a pas de brick à la main. C'est magnifique. Et le gars, il meurt en boucle depuis tout à l'heure. Mais on n'a rien à branler. Franchement, c'est la game de Splatoon. C'est la première fois que je croise un hacker comme ça. Oh, la map vidéo. Du coup, on voit tout le décor. Squidcraft, c'est pour toi. Alors, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit possible en public. En privé, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais en public, le gars, il a imposé ses balls, là. Bon, attends, est-ce qu'il va remettre une autre map ou pas? Parce que s'il met que des maps hackées, ça va pas être très intéressant. Parce que moi, de base, je voulais jouer au jeu de base, quoi. Je voulais pas tomber contre un cœur. Est-ce qu'il va remettre la même map? S'il remet la même map, vous skip le... Oh, dommage. Ah non, c'est pas Save Turbo. C'est pas Save Turbo, ok. Ok, c'est pas Save Turbo. Donc, ouais, le gars influe sur le matchmaking, c'est... Oh, cette map, les gars, ça reste ma préférée de tous les Splatoon, hein. Je vous le dis. Pour moi, elle reste top tier. Alors, pourquoi? C'est juste parce que c'est la première sur laquelle j'ai joué. Et surtout parce que j'aime juste le délire de l'autoroute, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça ultra sympa. Surtout le centre. Non, il me focus. Le hacker. C'est pro versus hacker, là. Et c'est surtout que je lag, donc... Non, mais en vrai, c'était vraiment un super jeu. J'aurais dû y rejouer sur Wii U, mais là, je pouvais pas dans l'immédiat. Et je sais pas pourquoi je lag autant, parce que j'avais fait des tests avant, et vraiment, ça me perturbe. Lui, c'est un hacker, là. Et je le vois. Je crois qu'il a un truc à l'infini. Lui, là. Là, il est en train de faire joujou avec ses hacks. Donc voilà, je parlerai de ce jeu, mais du coup, j'aurais besoin de vous. Là, je fais un appel à tous ceux qui ont une Wii U avec Splatoon 1 encore. Ça va être le moment où vous allez devoir tous me rejoindre et m'ajouter sur Wii U. Donc là, vous allez devoir tous m'ajouter sur Wii U. Je vous donne mon ID Nintendo Network qui s'affiche à l'écran. Vous me demanderez en ami. Vous venez sur le serveur Discord qui se trouve en description. Et comme ça, on pourra tourner des games normales illustration pour le jeu, parce que si je tombe contre ces gens là, ça va gâcher la vidéo, en fait. Donc je préfère jouer avec des gens que je peux un minimum encadrer que de jouer avec des gens qui hack comme ça, quoi. C'est pas que j'ai rien contre le hack, hein. Le jeu, il est quasiment mort, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais c'est juste que voilà, pour la vidéo, ça pourrait être plus marrant quand même. OMG, j'ai fait un kill. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description et à m'ajouter en ami, hein, aussi, au passage. Bah écoutez, je m'attendais vraiment pas à ça au niveau de trucs, mais oh, ok, d'accord. Si vous voulez le jeu. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo un peu plus travaillée quand même, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Je vise les 100K. Et sur ce, je vous dis à bye bye et à la prochaine. Bisous !